Bonjour, bonjour, mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Zikovida Faniel. Tout point, c'est avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons sous plateforme, non? Et ceci, nous pourrons continuer par bon genre information. Notre désir, c'est de vous servir. Ou même qui a regardé nous pour la première fois, ou que vous cliquez sur abonner, activer cette cloche, donc ça pourra permettre que vous ayez accès à toute vidéo, n'a pas gagné pour nous poster pour. Ou même qui déjà fait partie de grande famille, non? Eh ben, toujours partager vidéo nous avec famille, avec amis. Ça pourra aider nous et réaliser rêve et vision que nous gagnons, que toute fanatique psychovidéo, eh ben, nous gagnons un seul objectif. C'est rester connecté ensemble avec vous, mettez-vous en alerte de tout ce qui a passé, surtout dans le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Nous connaissons la situation Haïti pour le moment, les contingents compliqués. M'a va préparer une autre vidéo spéciale pour cas Haïti, hein? Mais là, nous allons parler un peu de questions plan national de régularisation, nous allons parler de carnet de travail ou bien permis de travail, et ainsi de suite, nous allons parler autour de migration dans le pays République dominicaine. En passant, il faut me dire que immigration dans le pays Saint-Domingue, changer bâton en bout, yo prenons l'autre phase, yo prenons l'autre dimension. Qu'on y a là, c'est bat y a bat haïtien yo, et ça fait mal en pile. Ça fait mal en pile, les mouais, ouais, y a bat yon haïtien, et puis, monsieur bat haïtien yon clé coup. C'est comme si Dominique a te dit, y a Harold K, monsieur. Dominique a dit, monsieur, non pas fait ça, non pas fait ça. Et M. Campé, Dandy, c'est comme si agent immigration voulait Floyd, monsieur. Ah, normal. Nous songeons ça qui est passé, Floyd, dans ils ont les États-Unis, oublié non État vraiment. Bon, État, à partir de cette même oublié non État. Côté que policier a mis pied sous coude, et puis George Floyd a dit, monsieur, pas qu'à respirer, moi pas qu'à respirer, ou pral tuer, I can't breathe, you're gonna kill me, man. And the policeman, il pas fait rien que touiller, eh ben, monsieur Georges. Et pas content, l'immigration a frappé haïtien, yo, pas content du tout. L'autre jour, m'te dit donc, nan courir derrière haïtien, yo frappé avec machine, ensuite, nous, ça qui arrivait. Moi demander pour que l'immigration capable de changer fusil d'épaule, pas maltraiter citoyens, yo respecter droit, yo bon me dit ça en panyol bien avant moi entrer dans thème pour aujourd'hui. Por favor, yo quiero hacer un llamado al director de la migración, el señor Enrique García. Por favor, usted tiene que hablar con los agentes de la migración porque por el maltrato que se está pasando, digo. Y por el maltrato que están pasando los hermanos haitianos en las calles de la República Dominicana. Los agentes de la migración no tienen derecho, no tienen derecho de golpear a los ciudadanos. ¿Ok? Ellos tienen normalmente que preguntar por la identificación del ciudadano. Ahora, después de la deportación, si el ciudadano no cumple con los requisitos de estar aquí en el país, usted lo puede, digo, mandarlo para su país, pero no golpear, no maltrato. Ok, yo no quiero golpe, no quiero maltrato. No golpear, no maltratar. No golpear, no maltratar. No golpear, no maltratar. Ok, no golpe y no maltrato. Porque ellos son humanos como nosotros, como usted, el señor director, como usted, agente de la migración. Ok, no maltrato, no abuse, por favor. Yo no quiero maltrato, no quiero abuso, no quiero golpe. No lo hagan. Ok. Et en nous continuer avec vidéo nous pour jeudi, nous pourrons parler, pas oublier, noter, présenter où, quantité de pièces que vous avez besoin pour visa étudiant. Pardon, pour visa de travail NM1. Négociant multiple simple 1. Et c'est catégorie ça que Saint-Domingue travaille pour capable bon permis de travail.
Moi, je fin ben nous de documents, n'a besoin quantité pièces n'a besoin. Maintenant, en dehors de pièces ça, yo, nous avons des documents que nous avons besoin pour nous capables annexer ensemble avec genre de documents. Premièrement, on a besoin d'une lettre de garantie. Una carta de garantie. Una carta de garantía. Alguien, digo, lettre ça, faut que li capable notariser. Mais lettre ça, comment pour le charpenter? Moi, pour le dire, nous, mais comment pour nous faire lettre là, tout ça. Et lettre ça, faut que li légalise dans la procuraduría dominicana. Et puis, document ça, faut que li ka présenter ensemble avec l'autre document que ou t'es fait demande là au moment de l'interview. C'est très intéressant. Et li indispensable. Li indispensable. Maintenant, qui sont pour aller écrire dans l'être là et c'est comment garantir à doué préparer l'être là. Et est-ce que son l'autre vidéo m'a fait pour nous pour ça? Non, pas besoin de faire l'autre vidéo. Et moi, je vais montrer nous comment garantir à li doué normalement préparer l'être là. Que li pral mette dans document ou pas oublier ou pas quand il décide et puis ou écrit Seigneur directeur, mi nombre est Faniel, y yo te escribo et normalement para saber, oh, yo soy garante de fulano tal. Es, non, hay una forma. En los asuntos jurídicos, los asuntos migratorios, siempre hay una forma de hacer las cosas. Bien, mira cómo ustedes van a preparar la cláusula de garantía. Ou pral di en espagnol. Tio. Tade bien. Se mwen ka pale. Par exemple, mwen garanti Money Claire. Bon, Money Claire se yo zanmi anou. Nou salye Money Claire nèpòt kote la pouti nou. E mwen pral di, mwen garanti Money Claire. Mwen di garanti so ke Money Claire Jean-Louis de nationalidad haïtiana pasaporte SD445-5202 como documento de identidad, se dedicará exclusivamente a la actividad por la cual fue otorgado la visa. Me hago moral y económicamente responsable al retorno de su país de origen, asumiendo pagar a favor del Estado Dominicano cualquier gasto en que dicha persona pueda incurrir durante su estancia en el país o que se origine como consecuencia de su repatriación o deportación del mismo. Significa, letra là, c'est pas un letra où elle décide de parler français ou espagnol là. Donc, c'est comme si, ou à mettre nom maintenant, en premier, ou à mettre nationalité maintenant, ou à mettre numéro passeport comme document d'identité. Ou faut témoigner dit, mon nom pral ou pas ka m pa ka servi garant pour al travail je dirais m pa ka servi garant pour al travail dans yon entreprise par exemple dans Coca-Cola et puis avec visa de travail là ou décidé à travailler dans Palma. Bon, c'est on la bouille de peau de chat. Nous pral besoin yon deuxième document de support. Premier document de support c'est lettre de garantie. Hein? Deuxième document de support que n'a besoin pour toute pièce moins dit nous yo ou a besoin et yon évidence qui a prouvé classification laboralou qui pral gen CV ou la dan, kap gen diplôme, kap gen certificat tout ça. Et mais tout document ça yo diplôme, certificat, CV, faut que ou mette yon dan yon enveloppe ensemble avec lettre de garantie pour annexer avec tout document, moi te dis nous déjà qu'ils ont 9 documents. Et puis finalement, interview à pour le faire, troisième bagaille, interview à pour le faire dans le ministère de las Relaciones Exteriores, ça nous parle de Cancilleria, et mais c'est réservé le droit de citer le garantie. Ça veut dire que faut venir avec garantie et pour capable faire interview ça au fonctionnaire ou bien au fonctionnaire de la direction consulaire. Et voilà, c'est information qui a tombé. J'aime te dire nous déjà, un pile de information qui a tombé. Et il y a un bagage que moi, je vais dire nous là.
Dans l'immigration, tout bagaille est fait d'après la règle et d'après principe. On ne peut pas décider pour dire ou pour faire ça, ou pour faire this, ou pour faire that. Soit j'aime dire nous, modèle visa que l'immigration a bail ce n'est pas visa VTT, visa de travail temporel, mais c'est visa négociant multiple 1. C'est comme si m'ta dit Yorilil et maintenant yo ba visa sa konya la visado de negocios multiples con fines laborales. C'est ça que fait yo mette un en derrière. Et ou balwe une fois que ou en dans territoire dominicain, ou gen 30 jours seulement pour présenter dans la direction générale de l'immigration pour aller chercher 4 permiso de trabajo temporal que yo bay nan plan national de regularización de los extranjeros aquí en República Dominicana. Et l'offre remplit toute formulaire sa yo, remplit toute formalité yo avec document yo, et ben li gen yon loi nan immigration, yon loi générale qui c'est loi numéro 285-04. Et ben avec cette loi immigration doit bon visa de travail là si toutefois on répond à tout document demandé au immigration pas qu'à décider le camper li dit pas bon il est obligé ba ou. Et c'est ça que fait faut que nous répondre à document yo nous répondre à tout critère yo et puis finalement pour nous capable gain visa de travail nous pour nous gagner el carnet del plan nacional de regularización qui est un carnet un carnet de trabajador temporal et un permiso temporal para trabajar aquí en República Dominicana. Mis queridísimos hermanos, ya yo lo he brindado todas las informaciones correctas, las informaciones requeridas, las informaciones que necesitan para hacer, para beneficiar una visa de negociante múltiples por fines laborales aquí en República Dominicana. Et ou pas capable de vivre dans un pays avec un permis de travail sans tenir la visa NM1. Et moi, je dis, nous avons fait une lettre, et puis finalement, nous avons venu à CV, nous, diplôme, certificat, ça, très important. Ce sont des documents normalement qui vont vous aider comme support à la demande. Moi te promets nous m'a vini à information m'a chercher information et moi vini à information tant pis s'il vous plaît fait vidéo à marcher voyez le bas famille voyez le bas amis parce que information ça yo pas ka kembe ou pour compte seulement d'accord voilà et document a besoin pour approprier visa demande de visa de travail là. Et puis l'immigration a très mal passé. Ok? Immigration pose. Pose pour moi, s'il vous plaît. Immigration pose. Ok? Et je vous réitère. La Direction Générale de Migration. Hay que bajarle algo. Sí, hay que bajarle algo. Porque los agentes de la migración se están golpeando a los haitianos. Se le están maltratando. Yo digo no a la violencia contra los haitianos. Yo digo no a los maltratos. No, no a la injusticia. Por favor, cuando usted encuentra un ciudadano, pregúntale por su documento cortésmente, como agente de la migración, gente formada, gente que pasa por la academia. Por favor, vamos a dejar de avergonzar el país. Y como siempre dice el Señor, porque cada vez que un oficial o un militar o un agente, una cara, una figura pública, por favor, vamos a representar ese país como es. Si usted encuentra un ciudadano haitiano, no lo agarra por atrás como siempre ha hecho los agentes de la migración. No lo agarra por atrás, salúdalo y pídele por su documento de identidad. Ahora, si no responde con los requisitos, vamos a depurarlo y tirarlo para allá. ¿Para aquel lado, como dice aquí? Porque cuando habla de aquel lado es Haití. ¿Tú me entiendes? Nada yo les quiero de gratis, nada personal. Pero no maltrato, no al maltrato, no a la injusticia, no a los golpes. ¿Ok? Ya lo sabe. Bueno, hay un lot video.
pour une autre information tout neuf, mais restez là-bas déplacé, restez sur Chanel là. Non, c'est temps qui pas trop long, n'a tout à l'heure. Bonjour, au revoir. Si vous avez mis tant mieux dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo. Pour de nouvelles informations, gardez-vous le moral, tant que va le moral, tout va. Bonjour. Au revoir.